Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul, le traditionnel book haul de tous mes achats réalisés tout au long du mois de février. Un mois de février un petit peu moins raisonnable que le mois dernier, mais on tient encore quand même pas mal la rampe pour essayer de ne pas trop craquer, alors qu'il y a tellement de titres qui me font envie. On va démarrer par les graphiques, et alors je crois que le mois dernier il n'y en avait pas beaucoup. Ce mois-ci, je me suis vachement rattrapée, clairement. Alors, toujours pareil, hein, moi, je vends mes livres, enfin mes livres, pas tous mes livres, je vends une partie de mes livres sur Vinted. Et j'avais beaucoup, beaucoup vendu de livres. Et du coup, j'ai acheté pas mal de graphiques, parce que les graphiques, ça reste quand même un budget. Et quand je regarde cette pile, je suis... oui, ce n'est que des gras achats d'occasion. On démarre tout de suite. Il y a pas mal de suites de séries. On démarre tout de suite par... je me suis trouvée... 7 tomes de la série Steel Ball Run. Donc Steel Ball Run, c'est l'arc 7, je crois, 6, 7, je ne sais plus, de Jojo's Bizarre Adventure. Donc avec Dorian, on va se lire cet été la saison d'avant. Mais j'ai des tomes un peu disparates de Steel Ball Run. Donc du coup, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui vendait les 6 premiers tomes. Et puis quelques jours après, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait le tome 12. Donc je crois que là, je les ai tous jusqu'au tome 12, justement. Et après, je crois qu'il y a peut-être 17 tomes. Après, je les ai d'une manière un peu disparate. C'est de Hirohiko Araki et c'est donc chez Delcourt Tonkam. Le style graphique, il est toujours hyper spécial. C'est une série que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers et l'imagination de l'auteur. Alors, au vu des couvertures de cette série, je pense qu'on sera probablement dans un univers un peu de western. Et je crois que cette fois-ci, on va suivre une femme. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette idée qu'on suit une femme, je ne sais plus. On va être en Amérique en 1890. Et on va être sur la plus grande course du siècle, la Steel Ball Run. Donc, je pense que Araki va encore nous proposer un univers dingue avec ses stands, ses personnages... des espèces de projections astrales de qualité des certains personnages. Bref, j'aime beaucoup, beaucoup Hirohiko Araki et j'aime beaucoup Jojo's Bizarre Adventure. Donc, je suis ravie d'avoir trouvé ces 7 tomes, du coup, qui peuvent me permettre au moins de démarrer cette série. Ce ne sera pas tout de suite, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, avec Dorian, on va se faire la série précédente qui doit être l'arc 5, 6, je ne sais plus. Cet été, donc celui-ci, ça sera probablement pour l'année prochaine. Mais comme je les ai trouvés vraiment à prix intéressant, je les ai pris, sachant que les Jojo ne sont pas forcément évidents à trouver en occasion. Ensuite, je me suis trouvé un tome, le tome 6 de Gantz de Hiroya Oku. C'est publié chez Delcourt Tonkam. Alors, si les Jojo sont difficiles à trouver, les Gantz dans cette édition, c'est quasi mission impossible en occasion, en tout cas. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait le tome 6, je l'ai pris. La même chose, hein, je dois avoir 3 ou 4 tomes de cette série, sachant que j'ai vu l'animé, j'ai déjà lu le manga, j'ai vu plusieurs films, je sais plus, j'ai dû voir Gantz Osaka en film, enfin bref, c'est un univers que j'aime bien. C'est un univers très très dur. En fait, on a au début de l'histoire, on a deux personnages qui meurent et qui vont se retrouver dans une pièce avec d'autres personnes, et il y a une espèce de, enfin pas une espèce, il y a une grosse boule au milieu qui va s'ouvrir et qui va leur donner des armes, il y a un compte à rebours qui va se lancer. Et on va comprendre assez vite que ces personnages qui sont là vont devoir, pour survivre, tuer des êtres qui s'apparentent plus ou moins à des espèces d'extraterrestres, de créatures fantastiques, dans un univers assez dur, assez noir. Voilà, donc c'est une série qui est violente, qui n'est pas pour tout public. Il y a également des scènes très érotiques, voire parfois même pornographiques sur certaines fois. Voilà, donc c'est une série plutôt de science-fiction pour public averti. Moi, j'aime beaucoup cette série. J'avoue que j'avais adoré l'animé qui m'avait vraiment retourné sur certaines thématiques. Et voilà, j'aime bien cet univers. Donc voilà, je suis contente de... Voilà, quand j'en trouve un à un prix correct, j'entends, je les prends. Je sais pas si je vous ai montré le dessin. Au niveau du dessin, il me semble que l'auteur travaille beaucoup avec l'informatique et je trouve que ça se sent. C'est pas forcément le point fort de son histoire, je trouve. On est plus sur la palette de personnages, ce qu'ils font là, etc. Bref, et puis bien évidemment les interrogations par rapport à cet univers. J'ai également, en passe du coq à l'âne, je me suis trouvé 2 tomes du shoujo Fruits Basket, donc le tome 9, 8. Et le tome 9, c'est de Natsui Takaya et c'est publié chez Delcourt Tonkam. Je crois que pour finir cette série, il me reste le 11 et le 12, je crois. Il me semble, donc il me reste vraiment que 2 tomes. Fruits Basket, j'ai déjà lu le manga il y a très longtemps.
On est là au niveau du style graphique sur hein, quelque chose d'extrêmement classique au niveau du shoujo. Si jamais vous ne connaissez pas du tout Fruits Basket, on fait la rencontre d'une jeune demoiselle qui s'appelle Toru. Elle a perdu sa mère au début de l'histoire et elle va se retrouver par un concours de circonstances à aller habiter chez les... J'allais dire les Thomas, je ne sais plus du nom de famille de cette famille. Bref, elle va aller habiter dans une famille. Et ces personnages ont tous la particularité de pouvoir se transformer en un animal du zodiaque chinois. Donc voilà, je vous laisse découvrir pourquoi, comment, ce qui va se passer. Forcément, on est dans un shoujo, donc il va y avoir des côtés un peu romantiques qui vont s'installer. Et voilà, moi c'est une série que j'avais bien aimée. J'ai vu donc l'ancien animé et j'ai lu le manga, donc là c'est une réédition, ça me permet de me reprocurer cette série puis de la redécouvrir à l'occasion. Il me manque plus que 2 tomes et j'aurai la totalité et je crois que j'aurai tout en occasion. Pareil, une série, alors celle-là je ne l'ai jamais lue, mais c'est une série dont j'entends plutôt du bon et je suis contente d'avoir trouvé 2 tomes, le tome 8 et le tome 7 du bateau de Tezé de Toshiya Higashimoto, c'est publié chez Vega Dupuis. Vega, c'est une maison d'édition, j'aime bien leur ligne éditoriale, j'aime bien ce qu'ils proposent. Ici, on va, au début de l'histoire, il va y avoir un drame qui va se passer dans une école et si je me rappelle bien, plusieurs... années après, on a un jeune homme qui va revenir dans ce village et qui va essayer de découvrir ce qui s'est passé puisque, si je ne me trompe pas, son père a été accusé d'avoir fait quelque chose d'assez horrible. Voilà, donc on va, je suppose, on est dans un thriller, etc. C'est vraiment une... Les planches sont vraiment très jolies, l'histoire a l'air vraiment cool. Et puis voilà, j'ai entendu plutôt que du bien de cette série. Je crois que tous les gens qui l'ont lu ont adoré. Donc voilà, le bateau de Thésée, 2 tomes complémentaires. Ensuite, je me suis trouvée, alors là, on va plutôt passer sur du vintage, puisque je me suis trouvée 2 titres de Moto Hagio. Moto Hagio, c'est une grande dame du manga. Là, on va être sur du titre vintage. Donc, je me suis trouvée ces 2 recueils de nouvelles qui sont sortis tout récemment. Anthologie de la rêverie, c'est chez Glénat, et Anthologie de l'humain, toujours chez Glénat. Donc, deux recueils de nouvelles figurant parmi les premières artistes féminines à avoir bouleversé les codes du shoujo qui leur imposaient des histoires simplettes à l'eau de rose, Moto Hagio a exploré divers horizons, allant de la saga vampirique au récit de SF à la Ray Bradbury, en passant par les critiques sociales ou les fables amères. Ce volume vous propose de découvrir 4 de ses œuvres fantastiques et de science-fiction, et ici on est sur 5 titres, plutôt dans un monde, dans un univers réaliste. Voilà, et au niveau du style graphique, vous allez voir qu'effectivement, on est vraiment sur un style vraiment vintage, hein. Mais c'est une autrice, pareil, je suis vraiment contente de voir qu'on a des autrices comme ça, issues du patrimoine, qui sont éditées, et je suis vraiment curieuse de découvrir ces titres, donc là voilà, deux recueils de nouvelles de cette autrice fondatrice vraiment du shoujo, donc je suis très contente de les avoir trouvées. Ensuite, un titre voilà, qui était dans ma wishlist depuis longtemps, qui n'est plus édité, et bah pareil, voilà, je suis très contente de les voir. Revenir ici, c'est dans un recoin de ce monde de Fumio Kuno. C'est publié chez Kana dans leur collection Made In. Ici, on est en 1944 et on va être dans une histoire qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale sur quelque chose peut-être un peu tranche de vie. Là, au niveau du dessin, on est sur quelque chose d'un peu particulier. Je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais j'avoue que moi, j'aime bien généralement le tranche de vie. Ça se passe en 44. On est dans une province agricole japonaise. Donc, ça m'intéresse vraiment de découvrir ça. Et voilà, ça, c'est simplement la suite. Pareil, un titre qui avait été édité il y a quelques années. C'est une réédition. Il me semble qu'on ne pouvait plus tellement le trouver. Donc, voilà, je suis très contente. Et en plus, la couverture, elle a un effet un peu canson que j'aime beaucoup entre la texture et puis le choix... des couleurs qui sont complètement pastel. Je suis assez fan de cette édition. Je me suis trouvée un Junji Ito, Cauchemar de Mimi, donc de Junji Ito. Alors pourquoi y a-t-il 2 autres noms? Est-ce qu'il y a certains titres qui ont peut-être été écrits à plusieurs? Donc Junji Ito, un maître de l'horreur japonaise. J'ai lu plusieurs de ses titres. C'est un auteur que j'aime beaucoup. J'aime bien généralement ce qu'il propose. Voilà, ici je ne sais pas si c'est une histoire complète ou un recueil de nouvelles. C'est pas très grave. J'avoue que je pense que je vais plutôt rentrer à l'intérieur sans en savoir beaucoup. Toujours une très très belle édition de chez Mangetsu. On est sur un hardback coloré. Et l'hardback coloré, je pense qu'on est sur des tombes.
très 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 joli. Très très bel objet. Voilà. Alors celui-ci, je suis hyper contente de l'avoir trouvé. C'est le cheminot suivi du titre La lettre d'amour. C'est de Jiro Asada et Takumi Nagayasu. C'était publié chez Panini Manga. Vous ne pouvez plus trouver ce titre, en tout cas pas sous cette édition, puisqu'il vient de ressortir chez Mangetsu. J'avais effectivement entendu parler de cette réédition lors d'un live de Mangetsu et je m'étais dit, ben, je vais attendre la réédition avant de me procurer ce titre. Alors de toute façon, en neuf, on ne pouvait plus le trouver. Il n'était plus trouvable qu'en occasion. Et j'ai attendu, je me suis dit je vais attendre la réédition de Mangetsu. La réédition a été annoncée, première déception, la couverture que je n'aime pas du tout. C'est une couverture en hardback bleu que je trouve vilaine, je n'aime pas du tout le choix qu'ils ont fait sur la couve. Donc déjà ça m'avait un peu refroidi. Le prix, on est sur un titre qui coûte plus de 20 euros, je crois, de mémoire. Celui-ci coûtait 14 euros quand il est sorti. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur un grand format. Certes, c'est pas un bac, mais on est sur un grand format. Et j'ai appris au détour d'un article quelque part qu'il n'y avait pas les pages couleurs qui sont présentes dans cette édition. Et qui plus est, c'est la même traduction. Donc, je me suis dit que j'allais plutôt essayer de me trouver celui-ci. Et effectivement, je l'ai trouvé sur Vinted et je crois que je l'ai payé 5 euros. Hors frais de port, bien sûr, mais j'ai dû payer dans les 5 euros. Donc franchement, j'ai les pages couleurs, j'ai la même traduction. Donc voilà, je suis vraiment contente parce que les pages couleurs sont vraiment très 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 jolies. Donc c'est deux histoires indépendantes. Dans la première, on va suivre le cheminot. On est sur Hokkaido et je crois qu'on va suivre un homme qui revit son passé à travers les trains qui arrivent et qui repartent. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Bon, le second titre, La lettre d'amour, j'avoue que je ne me suis pas trop posé de questions sur le sujet, mais j'aime beaucoup. Et j'avoue que le côté ultra fluffy de cette édition, le livre en plus, je suis vraiment contente, il est plutôt en bon état. Alors il est un petit peu, je pense que la couve a un peu jauni, mais en même temps, il est d'époque. Hein. Je pense qu'on n'est pas sur un titre, je ne sais pas de quand il est ressorti ce titre, mais bon, ça date de quelques années, je pense. Il n'y a pas l'année dessus. Bon, c'est pas très... 2007. Ouais, il date un peu. Donc, il est un petit peu jauni. Ça ne me dérange pas plus que ça. Je trouve que ça redonne du charme et un peu de patine à cette illustration. Bref, comme quoi, parfois, ça vaut le coup de se repencher sur certaines choses parce que même si j'aime beaucoup, beaucoup les très belles éditions, et vous le savez, celui-ci me convient tout à fait. Voilà. Et on va terminer pour les graphiques par deux titres. Alors, je les ai... prix parce que je les ai trouvés à un prix intéressant pour les deux. Peut-être qu'on se les fera quand on aura fini notre lecture commune actuelle, sait-on jamais, puisque je me suis trouvé les tomes 1 et les tomes 2 de la réédition de Cat's Eye de Tsukasa Ojo. Je ne sais pas combien il y aura de tomes sur cette réédition. Je suis moyennement fan du choix qu'ils ont fait, qui est de mettre simplement une couleur différente avec une couverture assez identique. Je suis moyennement satisfaite, mais bon, voilà, ce qui est important après tout, c'est l'intérieur. Alors, c'est marrant parce que moi qui suis en train de lire en lecture commune, donc City Hunter, Nicky Larson avec Dorian, on voit vraiment que là, on est sur les prémices de ce que deviendra le style absolument magnifique de Tsukasa Ojo. On retrouve quand même, je trouve, la vivacité, l'énergie au niveau des planches. Mais c'est vrai qu'on sent que le style graphique, notamment au niveau des visages, on sent qu'il a travaillé quand même et que voilà, il y a eu de l'amélioration. Mais ne serait-ce que pour ce que ça m'évoque de mon enfance et de mon adolescence, je suis très contente de l'avoir. Et puis voilà, et puis j'ai City Hunter, donc voilà, pourquoi ne pas avoir Cat's Eye. Peut-être qu'après tout, si on est lancé, on les fera à la suite de Nicky Larson, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis très contente de m'être trouvé ces deux premiers tomes. Je continue de fouiner pour trouver des graphiques sur Vinted, mais... on va pas se mentir, c'est un peu compliqué parce que certains confondent le neuf et l'occasion et que moi je suis pas prête à mettre le même prix qu'un achat neuf sur un titre d'occasion. Voilà. Donc c'est parfois un peu difficile, on va dire, de trouver de réelles bonnes affaires, même si parfois j'accepte quand même de gagner juste quelques euros. Bref, on n'est pas là pour parler choix d'achat d'occasion. On va poursuivre le book haul avec contrepartie Ulule. Je n'ai reçu ce mois-ci qu'un seul élément, qui est donc la poursuite des recueils de nouvelles des éditions 1115. Donc ce mois-ci, on en a reçu deux. Alors il y en a celle-là, c'est celle qu'on a reçue de manière officielle, on va dire. C'est Album culte de Louise Roulier. Je crois que c'est de la SF cette fois-ci.
Et ici, donc, c'est un des cadeaux qu'on a reçu. Donc, c'est un petit recueil de nouvelles avec deux nouvelles à l'intérieur. On a Le fruit de leurs entrailles de Estelle Faye et L'œuf de Arnaud Pontier. Estelle Faye, je l'ai déjà lu et c'est une autrice que j'apprécie moyennement. Voilà, mais bon, en nouvelles, c'est toujours un peu différent, donc pourquoi pas. Et on verra bien. Et je crois qu'ici, on est plutôt sur du fantastique. Peut-être, je ne sais plus. Enfin bref, on verra. De toute façon, c'est des titres ultra, ultra courts. Donc, ça, c'est pas trop gênant de pas trop en savoir, en fait. Ce mois-ci, pour la première fois depuis très longtemps, je suis retournée chez Emmaüs. Et j'ai été extrêmement sage, puisque je n'ai acheté que 7 titres, je crois, de 4, 6, ouais, 7 titres que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, j'ai été plutôt sage, j'ai trouvé des titres, pareil, plutôt cool. Un titre sur lequel j'ai vu des coups de cœur et des gens qui n'ont pas du tout aimé, donc c'est Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier, publié au Livre de Poche. Je crois que certains, on est en 1830, Paris. C'est ça, le jeune inspecteur Valentin Verne est muté à la brigade de sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Et je pense surtout que certains attendaient justement ce bureau des affaires occultes. Et sauf, je crois qu'il arrive assez tard dans l'histoire finalement, puisque je pense qu'on est plutôt sur un tome de mise en place. Voilà, donc j'ai vu des gens déçus, des gens qui adorent cette série. Voilà, comme ça, je pourrais à l'occasion me faire mon propre avis. J'aime beaucoup la couve qui fait très 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 Jack l'Éventreur. Franchement... On est à Paris, mais ça fait très Jack l'Éventreur malgré tout. Et voilà, j'ai trouvé chez Emmaüs et je suis plutôt contente. Ensuite, je me suis trouvé un Patricia Briggs. C'est le tome 3 de Alpha et Omega, Jeux de Piste. C'était publié chez Milady. C'est toujours publié chez Milady, d'ailleurs. Ça complète ma série. Cette année, alors on est en mars, je n'ai toujours pas vraiment fait ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de repartir un peu, de relire de l'urban fantasy. Mais c'est toujours une envie qui est présente. Et ça me permet de compléter ma série à moindre frais. C'est de l'urban fantasy. Patricia Briggs, je l'ai... Est-ce que j'ai déjà lu? J'allais dire oui, je crois que je l'ai déjà lu. Et c'était plutôt cool, mais je ne l'ai pas lu en urban fantasy. Je crois que je l'ai lu en fantasy, justement. Si je ne me trompe pas d'autrice. Et voilà. Patricia Briggs, c'est surtout celle qui a écrit Merci Thompson. Alors, je ne sais plus. Je crois que c'est un spin-off de Merci Thompson, probablement. Probablement. Je ne sais pas trop. Bref, voilà. Je suis contente de l'avoir trouvé. Je me suis trouvé deux titres d'un auteur que j'aime beaucoup maintenant, c'est Serge Brussolo. Donc celui-ci, Le Livre du Grand Secret, là on est sur un titre policier. Chaque été, des parents envoient leur fils chez leur grand-père qui a donc un petit chalet perdu en Alaska. Son grand-père est un ancien écrivain très 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 connu, mais il s'est isolé et on finit par croire que cet homme a perdu la boule. Donc on va suivre Purcell pendant un été avec son grand-père. Beaucoup plus. Et un titre, j'avoue que j'adore la couverture, c'est La Princesse Noire. Ici, on est aussi sur un thriller ou un roman policier, je crois. Capturée puis vendue comme esclave par des pillards vikings, Inga est achetée par une étrange châtelaine surnommée la Princesse Noire. Quel est le secret de cette femme solitaire qui règne en maître sur un manoir en ruine où elle recueille des enfants infirmes abandonnés par leurs parents? De ce que j'ai lu de Brussolo, je pense que rien qu'avec ça, il a moyen de nous faire un truc... un peu perché, on va dire. J'ai adoré, vraiment coup de cœur pour Le Chant des Géants l'année dernière. Et là, je me suis trouvée La Femme au visage de nuit de David Brie, publié chez Pocket. J'ai hésité à le prendre puisque voilà, j'ai vu parler des retours un peu mitigés. Mais je me suis dit, bon, chez Emmaüs, à 1 euro, je prends pas beaucoup de risques. Si jamais j'aime pas, bah, écoutez, soit je le mettrai dans une boîte à livres ou je le vendrai, je le donnerai. Bref, je sais pas. Mais je n'aurais pas perdu beaucoup d'argent, en tout cas. Je ne sais pas de quoi ça parle et j'ai pas forcément envie de lire le résumé. J'espère juste qu'on sera pas sur quelque chose d'un peu onirique. Vous savez que ça, c'est pas trop mon délire. Et voilà. Un titre que j'ai hésité à prendre, je sais pas. Celui-ci, typiquement, qui a peur de la mort, de Neddy Okorafor, publié chez Le Livre de Poche. J'ai hésité à le prendre parce qu'on l'a beaucoup vu, parce que... Je sais pas, c'est un titre qui me fait un peu peur, je pense. Dans une Afrique post-apocalyptique, la guerre continue de faire rage. Enfant du viol, rejeté par les siens du fait de sa peau et de ses cheveux couleur de sable, Onye Sonwu porte en elle autant de colère que d'espoir. Seule sa mère ne semble pas étonnée lorsqu'elle se met à développer les prémices d'une magie unique et puissante. Ouais, je sais pas, c'est un titre qui me fait peur. L'autrice, en est dit au Okorafor, de manière générale, me fait peur. Pourquoi ? Je sais pas, c'est comme ça. Vous savez, parfois, il y a des titres où vous vous dites « Ouh là là, je vais être un peu, peut-être un peu trop chamboulée, je sais pas. » On verra bien.
C'est écrit assez gros à l'intérieur finalement, parce qu'il est, il fait presque 600 pages, mais c'est écrit assez gros. Bref, voilà, j'ai hésité à le prendre et puis je me suis dit, bon, pareil, au pire, je trouverai bien quelqu'un à qui il fera plaisir si jamais je ne souhaite pas le garder. Mais je suis contente de l'avoir dans ma pile. Et le dernier titre que j'ai trouvé, j'étais hyper contente, c'est Point Zéro de Antoine Traki, publié chez Pocket. C'est un titre que j'avais repéré parce qu'en grand format, il est paru chez Critique. Et je crois que le tome 3, si on peut vraiment parler de tome 3, il est sorti il y a peu. Ici, on est, si je me rappelle bien, dans un thriller scientifique, thriller scientifique qui, je pense, va un peu aborder la fin du monde ou des choses comme ça qui ne seront pas terribles. Une multinationale tentaculaire dirigée par le très secret Kendall Colstrud. Celui-ci dispose de moyens colossaux, dont sa propre armée, laquelle compte la mystérieuse Poppy aux facultés hors normes. Pourquoi cet homme se donne-t-il tant de mal pour que Caleb McKay, ex-SAS reconverti dans les missions de sauvetage à risque maximal, dirige l'expédition qu'il organise pour atteindre un mystérieux artefact repéré en Antarctique? Donc, je ne sais pas si on est dans quelque chose de scientifique, d'ésotérique ou un mélange un peu de choses de ce type, mais ouais, j'avais repéré ça en grand format chez Critique. Et là, ben voilà, le poche, il est énormissime. 1103 pages, il fait le poche. Donc, j'espère que c'est addictif. Et il me semble que le tome 3, je ne sais pas si les tomes sont liés ou pas, mais en tout cas, le dernier est sorti en poche il n'y a pas longtemps, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. C'est donc terminé pour mes achats Emmaüs. On va maintenant passer aux achats neufs. Il y en a quand même quelques-uns. Il y a eu un petit passage à vide ce mois-ci où j'étais un peu... voilà, j'ai eu quelques soucis perso et j'avais besoin de me faire plaisir et de remonter le moral. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de se faire plaisir et de se remonter le moral? On achète des livres. Voilà, c'est critère de base. Et donc, je me suis acheté 4 livres en allant chez Cultura. Un titre qu'on a vu partout, Wayward Pines de Blake Crouch. C'est publié chez Galmester Collection Totem. J'ai tendance à dire que c'est le Blackwater du moment. Vous le voyez partout, tout le monde le lit, tout le monde adore. Moi, je connaissais ce titre puisque je l'avais vu il y a longtemps sur la chaîne de Chai Latte. Elle avait lu la trilogie qu'elle avait beaucoup aimée et la manière dont elle en avait parlé, moi ça m'avait vachement tenté, donc je l'avais mis dans ma wishlist. Sauf que je crois que les titres en poche sont parus chez J'ai lu, ne sont plus édités, donc voilà, j'avais un peu de mal à les trouver. Et puis voilà, c'était passé dans les... C'était toujours dans ma wishlist, mais plutôt en achat un peu secondaire. Là, le fait de revoir la hype revenir, voilà, ça m'a donné super envie. Comme beaucoup, je suis assez fan des totems de Galmester en plus, donc voilà. Ensuite, j'ai pris 2 titres asiatiques que je n'ai vu absolument nulle part. Donc, j'étais ravie. Je me suis d'abord pris celui-ci, Journal d'un vide de Emi Yagi, publié chez 10-18. Il est tout petit. Et ici, c'est l'histoire, donc on est au Japon. Et une jeune femme, elle est la seule femme de l'équipe dans laquelle elle travaille, elle a une 30aine d'années. Et honnêtement, elle se tape toujours les tâches les plus ingrates. Hein. Elle fait le café, elle range la salle, elle lave les tasses. De tous ses homologues masculins, j'ai tendance à dire que c'est peut-être un peu la boniche du groupe, hein, donc sympathique. Et du coup, un jour, elle va décider de se rebeller et elle va notamment se mettre à leur faire croire qu'elle est enceinte alors qu'elle ne l'est pas. Voilà, donc le pitch m'a bien tenté. Et ensuite, je me suis prise celui-ci. J'avoue que c'est la couverture qui m'a tapé dans l'œil. Après, j'ai regardé le résumé, bien évidemment. Donc, c'est Tokyo Zodiac Murders de Soji Shimada. C'est publié chez Rivage. Et alors, il y a 2 choses qui m'ont tapé dans l'œil. Donc, la couverture qui faisait très code. Et puis, la mention du Zodiac, ça m'a fait penser au serial killer américain, le meurtrier du Zodiac ou au Zodiac, je ne sais plus trop comment il s'appelait. Donc ici, on va être à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Une stupéfiante série de meurtres déroute la police et tient la population en haleine. Dimension unique lorsque les cadavres de la famille Umezawa sont progressivement retrouvés, chacun amputé d'une partie de son corps en fonction de principes astrologiques et alchimiques afin d'assembler une entité supérieur. Donc je me suis demandé qu'est-ce que c'était que cette histoire un peu qui a l'air complètement perchée, ésotérique. Alors entre le point zéro et celui-ci, on a l'air d'être un peu dans ce genre de sujet ésotérique, fantastique, alchimique, je sais pas trop. Ça m'intéresse. Et alors on voit aussi, du coup j'ai regardé aussi, c'est écrit en dessous, hein, icône japonaise du mystère. Designer, musicien et astrologue, Shoji Shimada est l'auteur de nombreux romans à énigmes. Je trouvais que le profil de l'auteur aussi était assez atypique.
parce que designer, pourquoi pas, musicien, pourquoi pas. Mais alors, designer, musicien et astrologue, ça a un peu piqué ma curiosité, donc voilà. Et ensuite, comme j'avais besoin de réconfort, quoi de plus réconfortant que d'acheter un titre qu'on va lire bientôt, dont on a adoré le tome 1 et dont on a très envie de connaître la suite, c'est donc le tome 2 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb, l'intégrale de chez J'ai lu. Est-ce que je vous ai parlé de l'intégrale 1 ? C'est pas sûr, mais en tout cas, je peux déjà vous spoiler le point lecture en vous disant que je pense que cette intégrale 1 est un petit coup de cœur, je l'ai vraiment adorée. Et avec Dorian, on va se lire cette intégrale 2, je crois que c'est en mai, si je ne me trompe pas. Et voilà. Robin Hobb, j'ai adoré l'Assassin Royal et honnêtement, l'intégrale 1 des Aventuriers de la Mer, on est un cran au-dessus pour vous dire l'attachement que j'ai eu à cette histoire, à ces personnages, à ce qu'elle nous a proposé. Donc quand j'ai vu que, de toute façon, il fallait que je m'achète l'intégrale 2, c'était sûr, mais je ne voulais pas trop l'acheter en ligne parce que j'avais peur qu'elle arrive abîmée. Et j'ai vu que bah, quand je suis allée dans mon Cultura, il l'avait et voilà, et je l'ai prise. J'ai résisté, j'ai failli prendre la 3 en même temps, mais j'ai dit non. Déjà la 2 c'est bien, c'est quand même 19,50€ l'intégrale, donc j'avais d'autres trucs dans les mains, faut être quand même un minimum raisonnable. Mais j'avais besoin et j'étais très contente de l'avoir. En février, on a appris une mauvaise nouvelle. Malheureusement, une maison d'édition qui ferme, c'est une mauvaise nouvelle. Et une maison d'édition comme Nord Absinthe, c'est en hausse. Enfin, voilà, c'est vraiment très triste. Et donc, malheureusement, la maison d'édition Nord Absinthe a fermé ses portes au 29 février. Et pour ce faire, elle a du coup communiqué que si on souhaitait bien les aider à pouvoir fermer leur maison d'édition dans les meilleures conditions financières possible, il fallait pas hésiter à acheter les titres qu'on avait envie d'acheter chez eux. Il y avait également un pack numérique à disposition à prix libre. Et puis voilà, en gros, une fois que les livres de la maison d'édition, ce qu'ils avaient en stock étaient vendus, il n'y en aurait plus. Donc j'ai profité, malheureusement le terme profiter n'est pas très élégant, mais en tout cas j'ai choisi de les soutenir un peu en réalisant. Donc j'ai fait deux commandes, une commande que vous voyez là et puis une commande que j'ai faite genre le 28 ou le 29 février. Au moment où je tourne, je ne l'ai même pas encore reçue, donc voilà, elle sera dans le prochain book haul. J'ai pris une suite de séries et un titre qui m'intéressait depuis bien longtemps. Comme quoi, quand on a envie de soutenir notamment les plus petites maisons d'édition, on se dit non, j'achèterai plus tard. Ce n'est pas forcément très judicieux parce que ce n'est pas vraiment les aider malgré tout. Bref, je me suis pris le tome 2 de Sorcière de chair de Sarah Bushman. Donc le tome 2, c'est Chair morte. Et je me suis également pris un recueil de nouvelles qui s'intitule Dolls. C'est de Nepent et Moon. Et là, on va être forcément sur des histoires qui tournent autour des poupées. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont complètement terrifiés par les poupées. C'est pas mon cas. Je trouve ça assez glauque. Je trouve ça assez glauque comme thématique, mais je ne suis pas terrifiée. Voilà, il y a d'autres sujets qui me bousculent bien plus que les poupées. Donc voilà, donc du coup, Dolls, recueil de nouvelles sur les poupées. Et puis, Chair morte. Alors, je ne vais pas forcément lire le résumé, puisque c'est un plus ou moins un tome 2 de Sorcières de chair. Tout ce que je sais, c'est que c'est un peu gore et qu'il me semble qu'on suit une jeune femme policière, si j'ai bien compris. Alors, je me demande, parce que là, je viens de voir qu'on a une carte comme ça, mais c'est une carte de la prison du désert de Simpson. Intéressant. Voilà, bon bref, je vais pas en savoir plus, mais bon, je vais pas vous en parler plus non plus, puisque malheureusement maintenant, ben voilà, vous pourrez plus vous les procurer, malheureusement. Alors peut-être sauf auprès de certains auteurs qui peut-être seront présents sur les salons et auront quelques éditions, mais en tout cas de manière générale, plus auprès de la maison d'édition Noir d'Absinthe et une maison d'édition qui ferme, surtout une maison d'édition comme Noir d'Absinthe qui avait vraiment une orientation très très particulière, vraiment dans le noir, dans le glauque, dans l'inquiétant. Voilà, c'est quand même c'est toujours dommage. Et puis je vais terminer par mes derniers achats neufs. Vous savez que je finis toujours par ce que j'appelle plus ou moins les achats que vous avez vus partout. Hein, voilà, j'ai craqué, mais je pense que je ne vais pas m'apesantir dessus puisque vous les avez probablement vus tourner déjà beaucoup. Donc on démarre. J'ai craqué pour celui-ci. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Iver Fawcett, publiée chez Sabran. Je l'avais repéré en VO, notamment chez Isabelle des Chroniques du Hérisson, qui l'avait lu ou qui avait en tout cas démarré la lecture en anglais il y a quelques années. J'aime énormément. Elle ne pense qu'au travail. Il aime coudre au coin du feu. Un véritable conte de fées les attend. Il me semble qu'on va suivre donc Emily Wilde, universitaire et experte en
dryadologie. Elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite lorsqu'elle débarque dans le village nordique Drafensvik pour y étudier les recluses, les fées les plus rares au monde. Émilie n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Blambleby. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est qu'on va être... Voilà. Alors, il me semble qu'on est un peu quand même en cosy fantasy, donc ça va être plutôt cool. J'aime beaucoup l'objet, l'histoire me tentait bien, et voilà. Pareil, vous l'avez vu partout, je ne lirai pas la quatrième de couve, parce que je ne vais pas me spoiler, c'est Crescent City de Sarah J. Maas, publié chez De Saxus, alias Le Parpaing, hein, alias Le Méga... L'énormissime parpaing, c'est le mois du parpaing d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a un deuxième qui arrive après. Honnêtement, est-ce que je sais de quoi ça parle? Non, je l'ai acheté parce que j'ai les deux premiers comme ça, et j'avais commencé cette série parce que j'avais adoré À Côté de Sarah J. Maas. Je sais que voilà, tout le monde n'a pas forcément aimé Crescent City. Par contre, je suis un peu embêtée puisque j'ai cru comprendre que est-ce que c'est à partir du tome 3 ou à partir du tome plus ou moins 4, elle allait faire un espèce d'univers partagé et que pour pouvoir lire la suite, il serait bon d'être à jour notamment de Kelleana. Parce qu'à Cotard, j'ai pas lu le tome 4, mais j'ai lu à Cotard. Donc je n'ai jamais lu Kelleana, même si c'est un titre qui pourrait me tenter. Voilà, donc je suis un peu ennuyée par rapport à ça. Je ne sais pas si on peut lire cette trilogie, entre guillemets, s'il y a une fin. À cette trilogie-là, en tout cas une première partie de fin, on va dire un peu comme dans Harry Potter. Bref, donc voilà, je sais pas trop, on verra, je l'ai en tout cas, voilà, j'ai Crescent City. Alors celui-là, je ne l'ai pas tant tourné que ça, je me suis acheté Plein Ciel de Siècle Valban, c'est pas facile à prononcer ce nom, Siècle, ah c'est ça, Siècle Valban. Voilà, donc c'est publié chez Big Bang, donc c'est Bragelonne. Celui-ci me tentait beaucoup parce qu'on est dans un univers d'opéra et il me semble qu'on est plus ou moins dans une histoire qui peut s'apparenter pas au Comte de Monte Cristo, pas du tout. J'ai perdu l'intitulé, mais a priori on est sur un roman qui s'inspirerait... d'une histoire déjà connue et déjà existante dont je ne retrouve pas le nom, qui se passe dans un opéra. Peut-être que vous, là, vous savez. Voilà. Et je trouvais ça intéressant et original. Voilà, le côté musical, le fantôme de l'opéra. Voilà. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau a bugué. Voilà. Ce serait plutôt dans quelque chose qui réinventerait l'histoire du fantôme de l'opéra, de près ou de loin. L'objet livre, il est très très joli, comme vraiment font toutes les maisons d'édition maintenant, avec quelque chose qui ressemble un peu à une partition. Voilà. Et alors, je suis sceptique parce qu'il y a plusieurs signets. Je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai plusieurs signets dans ce roman? Ouais, il y en a trois. Je suis vraiment... Alors, il y en a trois. Un vert, un rouge et un jaune. Je me demande pourquoi on en a plusieurs. Bref, ce qui est bien, c'est que je n'ai vu aucun avis sur ce titre. Donc, je suis assez contente de ça. L'objet livre, il est vraiment très, très joli. Et voilà. Et vous savez que, comme j'en ai parlé l'année dernière, notamment avec certains titres, notamment le Cindy Van Winder, je veux vraiment, sur les titres qui sont d'auteurs français, essayer de les acheter à leur sortie. Ben voilà, pour soutenir ces éditeurs français. Alors au moment où je dis ça, j'ai pas vérifié, j'ai cru comprendre, si je me rappelle bien, que l'autrice est française, hein, j'espère que c'est bien le cas, mais bon, c'est pas grave, je regretterai pas du tout mon achat qui est absolument magnifique sur cette réécriture. Vous l'avez vu partout, moi j'avais eu un coup de cœur sur un de ces titres, donc bien évidemment que maintenant quand il y a un titre qui sort, j'ai tendance à y aller sur une thématique qui m'intéresse, bien sûr, puisque je n'ai pas acheté tout ce qu'il a fait, pas du tout. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas du tout. En plus, on est dans quelque chose qui s'inspirerait plus ou moins d'un conte que je n'ai pas lu, mais que je trouve assez noir. Donc, je suis intriguée de voir ce qu'il pourrait en faire, puisque ce conte, c'est Pinocchio. Vous avez peut-être deviné qu'il s'agit du dernier T.J. Clune dans La vie des pantins, publié chez De Saxus. Ici, une histoire qui prend le point de départ de Pinocchio, en tout cas. Et voilà. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que Pinocchio, c'est quand même une histoire assez noire, assez dure, quand même. Et voilà. Et T.J. Clune, j'ai adoré La maison au milieu de la mer céréolienne. Donc voilà, quand il y a des titres qui ont des résumés qui m'intéressent, j'ai tendance à y aller vraiment en toute confiance. J'en ai lu qu'un titre, donc il faudrait peut-être que j'en lire d'autres. Regardez-moi le jaspage, franchement.
C'est vraiment absolument magnifique, comme d'hab chez moi. Vous savez, je suis désolée, mais je les laisse sous plastique jusqu'à ce que je les lisse. Ça m'a déjà valu quelques mauvaises surprises, mais je continue. Je suis un peu tête de pioche parfois, donc je continue à les laisser sous blister. Dans la vie des pantins, je pense que vous l'avez pas mal vu tourner, donc on va pas s'apesantir. Ensuite, j'ai acheté un tome 2, Ces filles infinies de Tyler et ma fille. C'est publié chez De Saxus, une couve que je trouve simple, mais très très réussie. Vraiment très très réussi. On n'a pas de jaspage, rien de spécial, mais l'objet livre est très joli. Je ne lirai pas puisque c'est un tome 2. Ici, c'est de la fantasy orientale. Voilà, romantaisie orientale, je pense. Tyler et ma fille, comme j'ai déjà dit, moi j'avais lu Insaisissable. Que j'avais bien aimé. Voilà, il y avait des défauts, j'avais trouvé que c'était pas parfait. Mais il y a notamment un personnage que j'ai. Que moi j'avais beaucoup aimé. Voilà, je sais qu'il y a un. Ah, il ne fera pas forcément l'unanimité, mais moi j'avais bien aimé. Et voilà, curieuse de voir ce qu'elle propose sur cette série. Et le dernier, et non des moindres, j'ai gardé énorme briquette, une autre briquette pour la fin. C'est un tome 2, je vais le lire en mars avec Dorian en lecture commune. Aussitôt acheté, aussitôt lu, c'est ce qu'on avait fait avec le tome 1. J'espère que mes souvenirs seront encore présents. J'ai vu qu'il y avait un petit dramatis personae au début. Donc, on a l'auteur qui a la sympathique idée de nous rafraîchir les idées, justement. Avez-vous deviné? C'est fort probable. C'est le tome 2 de L'Empire du Vampire de Jay Christophe avec L'Empire des damnés. C'est publié chez donc De Saxus. Hein. C'est lui aussi une énorme briquette. Il est encore sous blister aussi, mais je crois qu'il fait plus de 1000 pages. J'espère que ça va être addictif, hein, parce que 1000 pages, sinon ça va être compliqué à suivre. Voilà, je suis très contente, c'est du vampire, j'ai ma créature préférée. Je suis très contente de prendre cette suite avec Dorian. J'espère que la suite va être à la hauteur. Le tome 1 avait été une bonne lecture, vraiment, vraiment une bonne lecture. Donc j'espère que là, franchement, 1000 pages, franchement, 1000 pages. Mais pourquoi vous, pourquoi? Pourquoi? Non, parce que regardez, là, le Tyler et ma fille, voilà, je ne sais pas combien il fait, mais c'est raisonnable, vraiment. C'est, franchement. Là c'est le cale-porte, c'est la somme cambrioleur. Enfin, voilà, vous pouvez tuer quelqu'un avec ça. Bref, et ici, si je me rappelle bien, on suit Gabriel de Léon, qui est le dernier chasseur de vampires de sa condition. Et au début du tome 1, il va être... Alors, j'allais dire arrêté. On ne sait pas vraiment s'il est arrêté. En tout cas, il est enfermé dans un endroit. Et un vampire va venir le voir et va lui demander de lui raconter sa vie, ce que va donc faire Gabriel de Léon. On retrouve vraiment le Jack Christophe hein, qu'on avait dans Nevernight, de l'humour, de l'action. Des personnages quand même pas mal travaillés et intéressants. Et un univers ici vraiment très riche, assez dense. Ouais, un univers riche, alors dense, peut-être pas. En tout cas, vraiment un univers assez fouillé, assez travaillé. Voilà, peut-être plutôt que dense, un univers assez étendu que moi, j'avais beaucoup aimé. Enfin bref, voilà. Donc, je suis très contente de lire ce tome 2. Comme je vous le dis, j'ai toujours peur que Dory, la mémoire, elle est un peu bon. Dorian lira avec moi, peut-être qu'il aura plus de souvenirs que moi, on verra bien. En tout cas, si ça revient au cours de la lecture, ça sera plutôt cool. Bref, on va terminer ce book haul avec celui-ci, c'est pas des moindres. Voilà, comme je vous disais, ce book haul est maintenant terminé. Voyez, je suis assez contente de mes achats. Raisonnable, mais pas trop. Voilà, il y a un peu de tout. Bref, un mois d'achat qui me convient plutôt pas mal. Vous voyez, je suis très très loin d'avoir acheté toutes les sorties. Je suis un petit peu plus sélective qu'à une époque, il est vrai. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous avez acheté, vous, pendant ce mois de février, si vous avez été raisonnable ou pas du tout. Au milieu de toutes ces sorties absolument incroyables, je crois que mars, ça va pas être mieux. Voilà, bref. J'espère vous avoir fait découvrir quelques titres et vous avoir donné envie probablement d'en acheter ou d'en découvrir certains. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt.